Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hôpitaux, la imata chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon combo t'es quoi là t'es quoi alors t'es quoi bio y'a mboka y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pula mon kanja isali barubi njombo y'a li en kuba paniwa barubi njenge isali y'a komba kanja y'a mboto y'a mbisela barubi nyama y'a mboto y'a mboko mboto y'a gane kala ngando n'est la lani na basi na sutu eza kodia na peti po maman mande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu po na kodia na bino moko ba kode ya dino kalinyo kodia na apeti Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Vendredi, c'est un grand honneur de vous retrouver. Et vous le savez très bien, messieurs et dames, ça a toujours été avec un grand plaisir. Pour moi, ce boulot, c'est comme une drogue. C'est comme une sorte de drogue. C'est-à-dire la souffrance renforce mes capacités. Un peu comme si je puisais mon énergie dans la douleur. Donc plus des insultes, plus des critiques acerbes, infondées et qui n'ont pas de sens, plus je deviens beaucoup plus fort, beaucoup plus aguerri et j'ai encore envie de travailler. Parce que le boulot, comme on le dit, servir les autres, c'est trouver le sens de son existence même. Mesdames et messieurs, je voudrais aujourd'hui avec vous parler d'un autre thème qui n'a rien à voir avec l'actualité forcément. Mais c'est vrai qu'on va toujours pencher un peu sur l'actualité. Mais c'est encore une fois notre manière d'être, notre manière de faire les choses, notre être en tant qu'État. Notre être en tant que nation et notre être en tant que peuple. En ce moment-là, quand on parlera de ces choses, je crois que la lumière sera faite, notre dossier est bêlé, et je suis très convaincu que les écailles peuvent tomber et les gens peuvent revoir encore la lumière de la justice, la lumière du bon sens et la lumière de l'intégrité. L'actualité, tout d'abord. Le vrai modérateur parle de gestion du fonds Covid-19 et Teni Longondo rattrapé par la justice. Dangereuse panique au FCC, les enjeux politiques, c'est le titre de la République. Forum des As se penche sur la question des mises en place dans la territoriale. Le FCC tacle Gilbert Kankonde. Pour la plateforme kabyliste, ces nominations devraient bénéficier des larges concertations au sein de la coalition. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Nous sommes appelés à nous poser des questions les plus importantes. La première question, c'est que quand nous faisons des discussions autour de la loi, autour de la gestion, autour de tout ce que nous faisons comme discussion, est-ce que le peuple est au centre de nos discussions? Est-ce que l'intérêt suprême est au centre de nos questions? Lorsque moi j'entends le FCC, par exemple, dire que les nominations au niveau du territorial, de la territoriale, devrait, en principe, bénéficier des larges concertations dans la coalition. Je me pose la question, est-ce qu'on sait encore de quoi on parle? Savons-nous encore ce que l'on veut? En droit, tout comme dans le droit administratif, même dans la gestion de la République, la compétence est d'attribution. Et dans l'art de gérer la cité, la compétence est une question capricieuse. On ne peut pas mélanger les choses. Si ce sont des prérogatives du ministère de l'Intérieur, on doit laisser le ministère de l'Intérieur agir pleinement
et convenablement. Parce que c'est lui qui va être responsable demain. Au niveau du Parlement, quand on appelle, quand on interpelle un ministre, on n'interpelle pas son co-auteur. On interpelle le ministre qui répond de ces charges-là. Et donc, si c'est lui qui va répondre devant le Parlement pour une question ou pour une autre, je ne vois pas par quel mécanisme ce même ministre doit vouloir partager ses prérogatives avec quelqu'un d'autre dans un cadre en dehors des institutions. Le malheur arrive à un pays généralement lorsque on refuse de regarder dans les textes, mais on trouve des béquilles en dehors des sentiments, les envies de la coalition, gérer les humeurs. Non, en réalité, la coalition ne peut pas supplanter la constitution, ne peut pas supplanter l'organigramme même de la gestion du pays, ou même le guide, Yamania Nabisoto Osala. Je ne vois pas, moi personnellement, comment on va demander au ministère de l'Intérieur de vouloir discuter cette attribution dans le cadre d'une coalition, alors que la loi est claire quant à ce, la gestion de la territoriale est une attribution, pas partagée, mais une attribution exclusive, il y a ministère de l'Intérieur. Sauf, assignation et la loi, n'a d'exception au loi et Mokwachi. Mais ce que la loi n'a pas dit, on ne peut pas l'inventer. Lorsque la loi dit quelque chose, il faut éviter d'étrangler la loi à tout moment. Il faut éviter de limiter la loi dans ma principe Nango. Non, disons, non, oui, il faut éviter de limiter la loi dans ma humeur et abattu. La loi ne peut être limitée que par elle-même, que par la loi. Lorsqu'on est en train de dire que cash out, c'est distraire, les gens pensent qu'on est en train de bluffer. Ton bluffé, t'es. En fait, pour contrôler le pouvoir politique, il faut être en mesure de contrôler territorial. Ce qui est pour contrôler territorial, c'est le pouvoir politique qui échappe. Or, si le pouvoir politique vous échappe, dans le contexte actuel, est allé suicidaire pour Nabino dans l'élection de 2023. Aujourd'hui, la majorité a bateau pour gouverner territorial. Bazali, pour la plupart des cas, bateau est FCC. Ça, il faut le dire. Non pas que bateau qui est élu. Parce que jusqu'aujourd'hui, bourgoumestre, parce qu'elle n'a jamais qu'on a élu, il faut le savoir. Hein. Depuis, Badalak a nommé Wana, Tilelo, ils sont là. Il y en a qui ont fait 18 ans, il y en a qui ont fait 16 ans, Monsieur Bassali 15 ans, Monsieur Bassali 10 ans, Badalak a dans ma commune, Nakinkou, tout l'exemple est patent. Badalak a depuis très très longtemps, Badalak a Wana. Batouana, Bazo travaille sur base, il y a Bato Banomaki Bango, pas sur base, il y a alternance. Il continue à exécuter. Programme au Bango Badalakinango. Donc, si l'actuelle gouvernance, si l'actuelle administration n'y prend pas garde, côté on va jouer les Bango Mabé. Il faut donc qu'on arrive à assumer. Comme on n'a pas organisé les élections pour ça, il faut procéder dans le même mécanisme de la qui avant. Ça veut dire nommer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre que Totika vide Mogobo. On ne peut pas laisser des vides. Moi, j'appelle le ministère il y a intérieur. Comment on va faire des remplacements? Tout en respectant la loi, bien évidemment. Tout en respectant le prescrit de la Constitution. Que le chef de l'État s'y penche. Parce qu'on a combien de communes avons-nous dans le pays? Partout à travers le pays, combien de communes dans un Nango? Alors imaginons que tous les communes où on a 80%, sinon 75%, Bazali Bato Bada acquis na cause moko. Cause Nango et la cause au chef de l'État de partager. Donc, ce qu'on a fait, sur le côté, mais c'est très grave, c'est très dangereux pour lui. C'est très dangereux pour lui parce qu'ils ont le contrôle du marché, ils ont le contrôle de beaucoup d'autres secteurs, ils sont en contact avec le petit marchand, Batona tout, Batona, Batona, Bango. Donc, il suffit que Bango passe à la Bango, petite faveur, basu électorat. Parce qu'il y a faveur à Moukier, basu électorat. Parce qu'il y a faveur à Moukier, diabolisé. Donc, si on néglige, côté, on a botali le gros pouvoir, ben, le gros pouvoir et le petit pouvoir en termes électoraux, le petit pouvoir rapporte beaucoup plus en termes de nombre. Le gros pouvoir apporte beaucoup plus en termes de poids. Mais vous savez très bien, entre le nombre et le poids, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc les enjeux politiques sont ailleurs quand on est en train de jouer autrement. Ce qui est auquel niveau de ma province, c'est encore pire, n'en parlons même pas. De la base, chef de rue, chef de quartier, chef, baba chef, on a mis au chef de secteur, aux yeux, bah, athée, aux yeux, bah, gouverneur, aux yeux, bah, d'abord, bah, maire, aux yeux, bah, gouverneur, bah, tout, on a mis son nomenclature et gestion, et territoriale. Mais ça sous contrôle, il y a Batomoususu. Alors, ceux qui vont contrôler un côté, comment voulez-vous gagner les élections 2023? Parce que pour avoir ma machine à voter, non, j'ai comme l'impression que Batouba est important, c'est à Bilokoana, dans la période électorale. Il joue parfois un rôle très important
qu'on est quand même battu belé ou pas dans la chef de centre. Ce sont eux, leur silence est terriblement nocif. Silence n'a pas voulu l'artiste, mais c'est grave, parce que si eux ils ne disent rien, ce sont eux les patrons de ces secteurs-là. Bon, on est pas patron, il y a terrain, Mickey, on a pas territoire, on a pas bon, gérant Kango. Alors, ceux qui nous ont contrôlé, on a pas voté, c'est compliqué. Il y a un moment où on a le FCC en train de râler, dans le photo Kabola, parce qu'il y a bien importance. Nous avons fait le tour des villages, moi personnellement. J'ai rencontré les localités. On va venir à Kouna, ma chef de localité. Tokuta Bango, mais Balati Bilamba peut perdre. Balati Bilamba peut perdre. Alors que l'alternance est comment déjà. Mais Balati Bilamba peut perdre. Et pas Moko, hein. Plusieurs. Ça veut dire que quelqu'un est arrivé après si Bango a 15 polos, 20 polos, estampillé et longi Moko. Alors dites-moi, comment vous voulez comment... Alors ceux qui bino bato, vous avez gestion psycho. Vous avez comprendre nécessité ou anaté, mais alors, ouh, on fait autre chose. La politique qu'on est en train de faire, on l'a fait en RDC. On ne l'a fait pas au paradis. Politique tout ça on a Congo avec les contextes politiques congolais. La politique ce n'est pas l'église. Hein? Non, la politique ce n'est pas l'église, ce n'est pas la charité, ce n'est pas la cathédrale, c'est la politique. Si on peut comprendre ce que je suis en train de dire. Donc parfois les certains débats, je me pose des questions. Est-ce qu'ils comprennent un peu ce que c'est? L'idéologie à Sikoyo. Idée à Sikoyo, il faut gouverner bateau. Il faut bailler. Comment on reprend le pouvoir? On reprend le pouvoir na ba titre comme Talikolo. C'est le jeu que Laurent Désiré Kabila avait fait. Lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il n'a pas encore regardé comment je prends le Parlement. Non, ça c'est facilement contrôlable. Il a compris d'abord, non, a bandana nous balola balabala. Un peu comme Mobutu avait fait. Mobutu a été cristallisé dans la tête des gens. Na force, dans les ma chef de rue, ma chef de quartier, ils étaient présents. Ce bureau communaux fonctionnait. Ce bureau de rue fonctionnait. Et Batourna, dans les en même temps, agent en sécurité, en même temps, agent en formation, c'était des gens qui avaient une sorte de bénéfice, Moro et Modèle Wana. Mais il n'y a plus un moment donné, puis silence radio. Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, il fait la même chose. Joseph Kabila, il a fait la même chose. Alors, reste maintenant un pouvoir à l'élo. Est-ce que Bakoussala a la même chose? Est-ce que Bayebi Yango? Est-ce que Bakoubundapona Yango? Est-ce qu'ils vont travailler sur base Yabilo Kouana? C'est tout ce qu'on attend. Nous attendons d'eux une meilleure gestion maintenant. Pas une caporalisation, mais plutôt une sorte de noblissement sur Bolingi. Mais Mangwatana est là bien. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à titre journal Oyo. Bandeko, Nazo Bandela Kolobeloko, c'est vrai que ça peut déranger Batebele, mais vous savez, messieurs et dames, la responsabilité de ce pays, les lieux est à partager. Le peuple tout entier est appelé à travailler pour que Mbo Kanabiso ait se développé. Tout le peuple. Parce que l'échec va être collectif. Fini ce temps où on accusait les gens en disant que Bango ne va pas porter destruction à Mboka. Ce temps-là est révolu maintenant. Ce que le comité a évalué pour avancer. Aujourd'hui, la responsabilité d'un véritable développement Mboka et Ezong la parquet. Excusez-moi de vous le dire, c'est le parquet. Le parquet a un rôle important pour moraliser la société. Le parquet a un rôle très important pour moraliser la société. Le parquet a un rôle important pour redresser la société. Pour orienter la société vers un développement, vers un épanouissement. Osomona batubazo ko banga balobi tolingi république des juges était, mais en réalité l'équilibre république des juges yango ne penda gage yaba équilibre la société. Dans un pays où les juges et les magistrats sont sérieux, honnêtes et font exactement leur boulot, c'est un pays qui sort dans l'obscurité pour être présenté dans la lumière. Or, lorsque vous êtes présenté dans la lumière, vos valeurs sont découvertes. Les médiocres vont se cacher. Et les intellectuels, sinon, les médiocres vont se cacher. Les méritocrates vont gouverner. Les génies vont gouverner. On aura ce qu'on appelle la géniocratie, la gouvernance des génies. Bato et Bakambamboka, lorsque les génies gouvernent un pays, les caisses de la République ne saignent plus. Les libertés individuelles sont garanties. Les droits fondamentaux sont respectés. Les textes sont appliqués. La loi est dite et le droit est proclamé.
Lorsque les génies gouvernent un pays, les écoles sont construites, les prisons c'est vide. Parce que Victor Hugo fait les rapports entre une école qui est fermée et une prison qui est ouverte. Victor Hugo estime que lorsqu'une école est fermée, une prison est ouverte. Alors que lorsqu'une école est ouverte, une prison est fermée. Un peu pour dire, l'éducation est le gage. Tout ça a une corrélation avec les juges, avec les magistrats, avec les inspecteurs, dans tous les sens. Parce que la justice, non seulement élève une nation, mais la justice fait prospérer une nation. La justice, c'est aussi que le méritocrate travaille, que le médiocre apprenne. Pas qu'ils soient tués, pas qu'ils soient éjectés, mais qu'ils apprennent. Tala makambo ba juge nabiso, bazo raté kosal. Tala makambo ba procureur nabiso, bazo raté kosal. Le procureur et le juge devraient même dire, vous avez vous-même proclamé l'indépendance. Vous avez vous-même proclamé la démocratie. Nous allons nous pencher sur la démocratie afin que tout soit à la kawana. Maintenant, vous avez un président qui vous dit libérez-vous, travaillez honnêtement. Vous devez le prendre au mot. Vous devez le prendre au mot et rendre public. Au stade actuel, il faut rendre public toute tentative d'arrestation pour alerter le peuple. Comme ça, le peuple a dit que binobo salaki, mais la pekisa qui binonde. Il est toujours plaisant pour un magistrat que les gens reconnaissent qu'il a fait beaucoup de tentatives, même qui n'ont pas abouti, mais que le peuple comprenne qu'il y a eu des pressions politiques qui ont mis terme aux enquêtes Yabato. C'est ça le rôle que doit jouer le parquet aujourd'hui. Poursuivre les infracteurs, poursuivre les infractions, mais les réprimer aussi. On ne peut pas voler dans un pays et être à l'aise, non. Lorsqu'on vole dans un pays et on est à l'aise, c'est que les voleurs ont des complices dans l'appareil répressif. Lorsque les criminels roulent carrosses dans nos rues et que les familles vivent dans la pauvreté, c'est qu'il y a une complicité entre le palais de justice et le palais des pouvoirs. Il faut qu'on trouve un triangle bien. Entre le palais du peuple, le palais de justice et le palais de la nation. Bah, palais, on a un peu comme le dit le prof Mbata dans une de ses tribunes. Il faut une corrélation entre Bilokwana. Que le palais de la justice, qui rend le droit, qui rend ses jugements au nom du peuple, et qui rend ses arrêts au nom du président, et Sengeli que Bango, le quoi là, le peuple est toujours là-bas. Ceux qui tournent à palais du peuple, on trouve que tout doit être fait pour le peuple. Ceux qui tournent à palais de la nation, on trouve que tout doit être fait encore pour le peuple, alors que ce peuple-là soit le premier bénéficiaire de toutes nos réflexions, le premier bénéficiaire de toutes nos actions. Mais quand c'est l'inverse, c'est compliqué. Le parquet, Lelo Babengi, monsieur Eteni Longondo. Je voudrais entendre, bah, tu es FCC Balobapé, non? Je voudrais entendre que tu es FCC Balobapé, que non, le Toboy, République, bah, juge. Donc, il y a République des juges lorsque ceux du FCC sont appelés, et il n'y a pas République des juges lorsque le magistrat appelle, interpelle, bah, tu as cash. Au moins une mémoire sélective, il y a un bonimbo qu'on a vu ça. Monsieur Longondo est demandé, bah, l'obi va bien gagner, bah, entendre, pour la gestion à Covid. Le Congolais doit comprendre que le parquet n'a pas pour mission d'arrêter seulement les gens. Le parquet a pour mission de reprendre Biloko à l'État et Kotia clarté Namakambo Tali Mboka. Donc, ce que Bengi et M. Longondo, ce n'est pas pour l'arrêter. Pas forcément. On l'appelle pour savoir un peu plus. Parce qu'il est le responsable, effectivement, de la santé. Donc, il faut battre à la Marabeleka Guinengening. Mais pas forcément pour l'arrêter. Mais pour savoir ce qui s'est passé. Mais c'est bien côté Wana. Mais monsieur le procureur, vous êtes un homme extrêmement sérieux. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous avez un cabinet. Non seulement un cabinet, mais vous avez les magistrats na trous na yo, pardon na direction na yo. Osa pe na ba inspecteur na direction na yo. Likambo etali ba propos discriminatoires. Parce que le parquet doit veiller sur la loi. Le parquet doit veiller sur la loi. Moi, je voudrais vous lire un article de la Constitution. Je vais dire un article, article 9, où il y a sa procureur possibilité d'agir dans certains cas. Mais dans un autre cas, Togotanga, avec vous, mesdames et messieurs, une autre loi.
En fait, je suis en train de vous dire comment les procureurs, les parquets, Bako et Débis, sont pour moraliser la société. Tant sur le plan moral, tant sur le plan, il y a gestion en boucle. Sur le plan moral d'abord. Sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan de nos valeurs. Ce que tu as vu, par exemple, loi numéro 66, tiré 242 du 7 juin 1966, réprimant le tribalisme et le racisme. Et puis, tu as vu sous loi, décret à 13 juin 1960, portant discrimination dans les magasins et autres lieux publics. En fait, c'était déjà bien éclairé depuis l'époque. L'infraction de tribalisme et de racisme s'applique aussi à la haine, l'aversion raciale ou l'incitation à la haine raciale. Et la loi prévoit deux types d'infractions de tribalisme, l'incitation à la haine raciale et la non-dénonciation du tribalisme. Alors, Biloko, dans le Bélamo, c'est vrai, bien dans la deuxième partie, mais le parquet devait nous aider. Tovandi Nambo Kaoyo, il y a un ancien ministre qui s'est permis de prononcer des propos discriminatoires et des propos tribaux, des propos à caractère séparatiste. Ministre Model Luana, le lot député provincial, le parquet peut l'appeler. C'est bien d'appeler M. Eteni, mais c'est aussi bien d'appeler un infracteur Luana. Qu'on lève ma immunité, qu'on demande qu'on lève ma immunité dans Bango, afin de le poursuivre. Mais là où je dis qu'il y a des problèmes dans Mboka, là où on a fait pour bloquer le parquet, c'est quand il y a des immunités, lorsqu'il y a des caprices de la majorité, lorsque la majorité ne veut pas livrer Batona Bango. Ça arrive. Parce que Moko Senga demande d'élever les immunités. Motomoka boy ko libre kolongo la immunité na bango. Tous les députés se protègent. Moko mina protectionnisme Moko boy. Le cas du président du Sénat, il y a eu des gens qui ont demandé ba lever ba immunité na. Mais ils ont refusé parce qu'ils sont majoritaires. Ceux qui continuent le modèle wana, on aura un parlement qui finalement a boya que l'État, que la loi est ça la musala nango. Et c'est des blocages que moi j'ai appelé des blocages fonctionnels et structurels qu'il faudrait faire lever. C'est des verrous qu'il faut que l'on là. Ce que tu le dis, c'est qu'il y a des biens. Il suffit d'un mot comme ça, des propos comme ça, pour que Moutouye Moka démissionne. Votre propre parti va vous saisir en vous demandant de démissionner. Mais nous, mais chez nous, non en tout cas. Chez nous, non. Nous avons conduit comme salaire. Au contraire, pour protéger même hier. Et pire encore, les gens vont vouloir chercher ma excuse. Or, le tribalisme, le racisme, la xénophobie n'ont pas d'excuses. Toute autorité qui sort dans sa bouche, propos moko discriminatoire, propos moko tribaux et tribaliste, on dit ce monsieur-là n'a pas sa raison d'être. Le Parlement n'est pas un endroit où on peut trouver. Comment quelqu'un peut parler de Baluba, de Bakongo, de Bangala, de Bakatangé? Comment on peut arriver à ce point-là? Il est interdit d'avoir des propos discourtois. Il est interdit d'avoir des propos discriminatoires. Il est interdit d'avoir des propos séparatistes. Ça, c'est le rôle du parquet. Le parquet pouvait se saisir. Se saisir et dire aux gens, non. Parce que toi, tu as besoin de tout le monde dans les réseaux sociaux. On en a même besoin. Voir, ne serait-ce que dans les réseaux sociaux, que le procureur général près de la cassation a adressé une demande et a conditionné bah, député bah, qui concernait le Makamona. Parce que jusque-là, il y en a deux. Mais ceux qui t'ont sanctionné, bah, ils vont aller. Moko avec la FCC, Moko avec la Mouka. Sans aller gauche-droite, il faut les interpeller. Ils ne sont pas supérieurs dans le bateau. Il faut que Benga Bango na parquet. Ceux qui demandent des immunités dans le bateau, lever un côté que le peuple s'en charge. Peuple moyen bas. Peuple moyen, qui va bengi batomi baleba ko répondre pour ma propos na bango. Bon moni ba incendie et bimi wana. Bon moni ba incident et gros sala. Bon moni ba désordre qui ko découler na biloko wana. J'en parle suffisamment dans la deuxième partie, ma gravité nango. Mais le parquet peut encore se pencher sur une autre question. On va lire l'article 99. Il y a constitution ba tout ba yebi. La loi est claire, la loi dit avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, c'est-à-dire la fonction, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer. Ils sont obligés. Ils ne sont pas priés. Ils sont liés à l'obligation et à la loi. Bayako tika ba demande, bayako déposer devant la Cour constitutionnelle. La déclaration écrite. Ici, on est même bien. Ah, tout ça même bien.
Tout ça même assez galant, on est même assez ouvert. Juste une déclaration écrite. Déclaration écrite de leur patrimoine familial. Énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tout autre immeuble, avec indication de titre pertinent. Ndekolingyo lo baboué. Je prends un exemple, ça peut faire rire, mais c'est un exemple sérieux. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, quand il est entré au pouvoir avec une fermeté, quand il est entré au pouvoir avec une kingakatité, quand il entre au pouvoir, il n'a pas tout ce qu'il a aujourd'hui. En principe, c'est qu'en vertu de l'article 9, quand il sort du pouvoir, il doit déclarer « Na niveau et à cour constitutionnelle, voici la ferme que j'ai. J'ai autant de lions, autant des herbes, autant de crocodiles, autant de serpents. » Des variétés boe 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 boe. Voici, j'ai une ferme na kaposho et ce qui na wapi. Ma ferme yango yango yo. Et dans autant, s'il en a bien sûr. Et dans la ferme, il y en a autant de vaches, autant de. Ça, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, aujourd'hui honorable monsieur Kabila, devrait nous montrer et montrer ça dans la cour constitutionnelle. Écrit. C'est ça ce que la loi dit. Mais le parquet, près la cour constitutionnelle, devrait en principe se saisir du dossier pour regarder est-ce que l'ancien a déposé. Non. On peut l'appeler. Qui vienne dire ce qu'il a eu. Il n'y a pas que lui. Les anciens premiers ministres, aujourd'hui donneurs de leçons, ont-ils déclaré leurs biens en vertu de l'article 9, imprescriptible bien sûr? Non. Les anciens premiers ministres, M. Mozuto, M. Matata, M. Tshibala, est-ce qu'ils ont déposé? C'est ce que la loi dit, pas Christian Bossembe. Non. C'est pour ça que ce n'est pas un article de Congo Buzz. C'est l'article de la loi. Ont-ils fait ça? Non. Tous ces ministres qui ont été repris au gouvernement, ont-ils fait des déclarations écrites? Ceux qui oui, très bien. Ceux qui non, s'ils n'ont pas fait, mais qu'ils les fassent. Voilà là où le parquet peut se saisir dans ma dossier pour la cause de sa mission dans Zéla, afin que Bato va dans le pouvoir le lot, parce que je suis convaincu qu'au mois de septembre, beaucoup vont partir, et quand ils partiront, mais qu'ils déclarent aussi. Parce que, et qu'on permette Batonine, et qu'on permette que Motoa y batte. Le parquet, j'estime, moi je demande encore, au-delà de cet angle de notre fungola, moi je crois que le parquet, tout les services de l'État, il fallait qu'il soit présent lors de la remise et reprise. Lors de la remise et reprise, pourquoi? Pour que Moto Kenabilo Kalitate. Combien de ministres sont partis avec des véhicules à l'État? Combien de ministres sont partis avec des meubles à l'État? Est-ce que vous savez que vous ne pouvez même pas partir avec un stylo de l'État? Sauf si l'État le vous, sauf si l'État vous le donne. Mais ceux qui, ok, on a vu, j'ai vu sur une photo, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, j'ai vu quelques éléments à Kingakati estampillés présidence de la République. Tout éviter, il s'agissait d'un don, d'un legs, tout d'un précédent qui n'a pas eu une ligne, il y a loi, tout et d'habitude. L'OLOB, ce qu'on l'ongoué d'entreprise, sauf ce qui est là écrit, sauf ce qui est dans le cadre de ma habitude, sauf ce qui est dans le cadre de ma pratique, ce qui est l'ongoué, sauf ce qui est là énuméré bongo. Parce qu'il y a des, de ces secteurs où la loi n'a pas dit clairement, mais les pratiques sont telles que lorsque vous quittez, vous partez avec. Ce qui est là, kawana, c'est bien. Mais ce qui, la loi est claire, que lorsque vous partez, vous n'emportez rien. En ce moment-là, il faut qu'on pose la question. L'Olengeni Libiloka présidence et comment la Kingakati? Qui t'y est estampillé présidence? Et comme il y a un Nengeni, Nabandeli. Ce qui n'a qu'à pratique, ils ont accepté, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est accepté la pratique, il y a un problème. L'Olengeni Moko, ma procureur est belé. Ma coquille qui fungo la dossier, wana. Kota la ma vie, ma ancien gouverneur. Ma kendana Libiloka ni à l'État. Mais tout cas, il y a l'État, il y a qui est à l'État. Et comment on a un bureau dans le bango, Ndengenine. Et comment on a un mandat dans le bango, l'Olengenine. Ministre, gouverneur, il y a côté de la province, à côté de deux hors-bord, deux trois hors-bord. A joué un mot dans le compte, et comme il y a un compte, il y a un barba haute privé. On n'a pas dit qu'il y a un barba haute privé. Ce qui est en pratique, d'accord. Ce qui est en habitude, d'accord. Ce qui est en loi non connue par les gens, d'accord. Mais ceux qui les ont reposés sur le côté, vous n'avez pas le droit d'apporter ça, d'amener ça chez vous à la maison. Le parquet devrait en principe cristalliser la notion du respect du bien commun.
il faut te respecter la continuité, il y a un service, il y a Mboka. Mais il faut que tu sois éternel commenceur, tu vas kaka, éternel début. Donc tu vas kaka. Ministre à Longwa, 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 Nanyos. Oh, aïe, Bandela, Bandeli, Nanyos. Je me pose la question. Nassali répertoring, il y a quoi pas que. Dans ton avis, il y a quelques experts. Mais ils m'ont dit des choses où ils ont ok ça. Voilà pourquoi on a une appel sur le crédit mingité. Balobi n'a que, depuis M. Kabila, quand on a pouvoir en 2011, pardon, en 2001, sinon en 2018, les gouvernements et les cas, Bami changea au moins 20 fois les véhicules. Tous les gouvernements, tout ensemble. Bami changea là, ma véhicule au moins 20 fois. Bamfoussou Balobi, c'est un nombre, on calcule, on a des équipes tellement évélées. Bamfoussou Balobi, il est légèrement en dessus. Togo est batté. Togo est batté. Pourtant, lorsqu'on achète un véhicule de l'État, il y a deux options. Soit, on l'en dit clairement, après fonction, ok, Nango, ou on ne dit rien. Mais alors, si on ne dit rien, c'est que, après fonction, vous laissez le véhicule. Bon, tiki moutouka à l'État, dans l'État, pour que le prochain ministre attende la moutouka wana. Or, la réparation de véhicule, il y a l'État, et il y a la privé, il y a quoi de la cointe. L'État a déjà pris des contrats, dans le garage, pour que va veiller sur l'entretien, il y a moutouka à l'État. Parce qu'on veut garder, va garder en haut, on a bien. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Le cas chez nous, c'est que le ministre achète Jeep à l'État. À qui n'a pas naïe? Plus tard, beaucoup m'ont envie de Jeep à la soute. Va déclarer en haut déclassé. Il discute avec les gens, va l'envoyer en circuit. C'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Il faut que les gens veillent sur le patrimoine de l'État. Voilà la gestion de l'État au but de l'ingé. Une gestion rationnelle. Dans l'ingé d'avant, dans la kitio, soit qu'on a comme un ministre de la Santé, toi ministre de la Justice, toi la Communication, dans les médias, surtout Yango. Ce qui est comme ministre, il y a un qui tu as dit que 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 tu as sauf ce qui l'État dit a changé. Il y a un monde qui a changé, a rappelé ma bien, a changé ma meuble. Tu as dit bongo. L'État fait moins de dépenses parce que le ministre gère la chose en bon père de famille, bonus pater familia. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est scandaleux. Donc il y a tellement de choses à dire. Les parquets fallait Sungabi sont dans un conflit foncier. Les lots là, on a Tongo. Je vais terminer par là. Aujourd'hui, le matin, à côté, il y a Baoba. Il y a des guerpires, près de 100 familles qui m'ont appelé en détresse. Il y a délogé 100 familles en détresse. Oui, mais il y a des conflits fonciers. Quelqu'un m'a même dit que Eros a parmi bah, deux grands conflits dans le Congo. Bah, conflit français a tellement consacré. Alors il faut que le parquet nous aide dans ça. Restituer les parcelles des gens dans la Mikolo Nango. Il n'est pas trop tard de faire le bien. Même ceux qui le pongo na botola, ça fait 30 ans. Bozung c'est là, il est là. Il faut que lors de l'alternance, qu'il y ait là, ouf, de soulagement. Bilo konanga ba botola, bazong ici. Mbongo nanga bazouaka bazong ici. Mbongo l'état ba iba ka bazong ici. Mabele à l'état ba iba bazong ici. Biloko anatra ba iba bazong ici. Il faudrait arriver à ce point-là. Et ça, c'est la responsabilité du parquet. C'est vrai, la vision est là. Mais le parquet devrait agir. Voilà pourquoi on a besoin des juges qui sont. Les magistrats, oh, baza, bateau, bougu qu'on malmenait. Sont aux yeux en gros, ça a besoin un grand plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là avec nous. Continuez à nous aider, on a vraiment besoin de votre soutien. Nous le disons, nous avons besoin de créer une chaîne de télévision et une radio. La radio, pourquoi? Parce que la radio est très suivie à Kinshasa, on en a besoin. La télé est très suivie aussi à Kinshasa. Et nous voulons servir le Congo et pourquoi pas les pays frontaliers. Nous voulons avoir un grand média. Et pour avoir un grand média, il faut de l'argent. On a sous-estimé les budgets qui nous a donné une affaire de 160 et quelques mille dollars. Mais au moment où nous vous parlons, nous pouvons disposer des 148 000 ou 145 000 déjà de dollars. Mais nous ne vous demandons pas de tout nous donner, en fait. Ceux qui ont 100 000 abonnés, les 100 000 abonnés, si chacun de nous met un dollar, on a 100 000. Mais comme tout le monde ne donnera pas, nous demandons à Bato Bazan la bonne volonté, aidez-nous avec des fonds assez importants, pourquoi pas 50 000,
100 000 $, 40 000, 20 000 $. C'est possible de nous donner ce montant-là pour avoir ce média qui non seulement va créer de l'emploi, mais va civiliser les gens, va éduquer les gens, va faire la promotion des valeurs et des vertus comme celle qu'on est en train de faire. C'est un travail, c'est une passion. Aidez-nous à l'accomplir. Aidez-nous vraiment à l'accomplir. On en a besoin. Moi, j'ai fait le tour de mon pays. J'ai vu comment les gens avaient un problème d'information. J'ai vu aussi que l'un des plus grands dangers de ce pays, c'est la qualité de l'information que les gens ont. Alors aidez-nous à rendre ces rêves possibles. Quelqu'un peut se décider de nous donner 50 000 $, 40 000 $. Vous avez fait ça dans les murs. Vous avez investi dans la musique. Oui, vous avez investi dans beaucoup de choses. Il est temps maintenant d'investir dans le durable, dans le bien. Voilà pourquoi nous demandons votre aide. Aidez-nous et on va être reconnaissants. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les services. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unisho by AFH under Cedric aussi. Tout ça pour faire appel à Bino, Nyon, surtout pour la Nanga Siko, ou à vivre dans la carte, il y a UK, il y a Royaume-Uni seulement, que tout ça pour payer ça, bah, service, protection et assurance. Tout ça pour payer ça, assurance vie, life insurance, et ça que ce qui nous a dit, c'est que ce qui nous a dit, Mbongo bako futa yo, eza pona ko couvrir l'enterrement, pe na suko tika héritage na bana yo, et en même temps, so zaki nandako, zwa kana crédit, et ko ipeko futa ndako na yo. Toza so suna oto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo, so ki moutou abeli azan nandako, osala ka plus de 20 heures, yaka, so ko beli assurance ako futa yo mbongo, pendant ko zan nandako zo salate. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez dit, bien au foot, là, pour nous protéger, nous avons foot. Nous avons une autre critical illness, assurance maladie. Tant que vous avez un problème de santé, au belly sérieusement, l'assurance te paye. Nous avons un témoignage de belly, nous avons un foot, parce que belly m'a dit critique. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance, on de qu'on a biso à Chile à Zakosala. Tango, les camés huit biso et que maman santé dérangée. Maman bazana droit à kofuta et autant. Réalité, Zaki, bah, on aura parole na bango, pe ba pesa mi solo et singela qui par rapport na oye biso tozoak. Que za aventure te, et za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza a pour na koede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes et noirs, d'Aïmada, Chino, Tuenéné, Nakinia, Panapiko, Namosala, Toto, Gabo, Kakule, Kakitoko, Nakinia, Panakongo. Loyer Mali, loyer Bolon, Nene, Yalisa.